parti de chez Oak City. Un jour un homme est parti de chez Oak City. Lorsqu'il était en avion pour faire le tour du monde, le tour du monde, Phil et le monde. Un cake, c'est ça qu'il y a. Les Anglais prennent pendant le Super Bowl pour mettre de la bière. Un cake, c'est pas un gâteau, c'est un truc à bière. Ça, c'est une télé avec le poster Flight of Concorde en arrière. Ça, c'est une autre télé plus grosse, une autre télé. Puis y en a un autre que je voulais pas montrer qui est dans les toilettes. Ça, c'est Joe. Ça, c'est Steve. Ils font le concours de celui qui boit le plus de pompe. Ben, comme ça, là, t'sais, c'est pas bon pour l'estomac pis tout, là. Je l'ai fait, j'avais pas le choix, sinon j'aurais la hausse, tabarde. En tout cas, c'est pas bon pour l'estomac, t'as mal pour le reste de la soirée. Là, Steve commençait à s'emporter, il commençait à crier, puis il devenait de plus en plus un dragon. Il y avait Dan, lui, avec ses cheveux qui sortaient de sa calotte. Là, il y avait Kevin, puis l'autre, je sais pas c'est qui. Eux autres qui regardaient la télé, sincèrement, je crois pas qu'ils aimaient ça. Puis l'autre avec la tuque, hey. Après ça, il y a des filles drunk qui sont arrivées, qui ont commencé à boire en campus, puis sont devenues de plus en plus drunk. Mais au moins, il y avait la gemme. Elle est bien smart. Même si elle a des gros seins, elle est bien cool. Sinon, il y a l'autre qui devenait pas mal de plus en plus folle, qui se pognait les seins comme une... En tout cas. Sinon, il y avait l'autre qui a réalisé qu'un moment donné, ben, je la filmais, puis il a pogné l'air. Regardez ça, ça... Wow! Regardez ça. Elle pogne ma caméra puis elle pète. Elle l'a pété pour vrai. Mais le lendemain matin, il a fallu que j'aille faire de l'escalade dans la forêt proche de Victoria. C'était beau en tabarnouche. Style Twilight. Ça, c'est Sean. Il grimpe. Un vrai singe. Un vrai petit singe. Qui tombe. C'est pour ça qu'il y a de l'aide de Jason. Ouais, hein. Mais non, mais il a pas fait ça tout le long. Ils ont juste fait ça une fois. Là. Je leur ferai pas une mauvaise réputation de grimpeur de roche. Vu que moi j'en ai fait, puis ben, ça a été pitoyable. J'ai eu mal au bras pendant 3 jours de temps après, en plus. Ça, c'est de la mousse, si vous en voulez, ben il y en a. Il y en a partout, sur les roches, sur les arbres, sur les feuilles, sur les mammouths. Ben non, il n'y a pas de mammouth, on est quand même pas dans le temps de les roches, hein? Ça, c'est un arbre qui a plus d'écorce, c'est comme de la peau douce quand tu y touches. C'est très excitant. Ça, c'est Erika, la blonde de Jason. Elle habite avec nous aussi, elle est super cool. Là, elle apprivoise la roche. Elle la touche, tranquillement. Elle voit qu'il y a bien de la mousse, elle aussi, ses roches. Il faisait bien soleil. Ça, c'est Jason qui apprivoise, comme il l'appelait, la roche qui s'appelait Baby Beluga. Il trouvait ça... Baby Beluga, hein, c'est drôle. Ça, c'est un arbre.